Hey, attendez, j'ai une surprise pour vous. Tadam! Waouh, on a quel âge là? C'est ma mère qui l'a retrouvé. C'est quoi ton rêve? Ça n'a rien à voir avec les rêves. Mes parents comptent sur moi. Ils attendent ça depuis des années. Je vais pas tout gâcher. Je me suis battu. J'espère au moins que tu l'auras fait. Tu leur raclais ces petits cons. Ils étaient quatre. C'est les petites tapettes qui chiassent. Mais je suis pas une tapette, un petit pédé, oui. Papa. Et chez les bonnets, on assume ses actes et on s'enfuit pas. Ah ouais? Bah va dire ça à maman. Tu as décidé quoi? Par rapport à quoi? Bah, pour les concours dont je t'ai parlé. C'est pas pour moi, vous le savez très bien. Les écoles dont vous parlez, c'est pour les élites. Vous savez très bien que le bac ici, c'est pas comme le bac ailleurs. Les transclasses, avec cette idée de transformation et de déplacement. Tu vas aller à Hollywood. Pourquoi je pourrais pas? Tu paries que j'y arrive? Moi, dès que j'ai ma maison, j'aurai des sols en marbre qui chauffent. Moi, j'aurai une vue. Le ciel, les toits de la ville. Tu vas vivre dans un appartement? Ouais, à la capitale. Ça se gave, hein, les récits de transfuge de classe. Ça nous fait croire que l'ascenseur social fonctionne alors qu'il est en panne. La nuit camoufle pour quelques heures. J'ai tout filmé dans la cage d'escalier du bâtiment C. Tu vas faire de la thune en donnant une image toute pourrie de la cité. La violence, c'est moi qui l'ai inventée. Vas-y, réponds, Miss Amérique du Sud, là. Ne crie pas dessus. Putain, mais vous me rendez dingue, là. J'en sortirai, je me le jure. À coup de livre, je franchirai tous ces murs. Pourquoi ma mère, elle passe toute l'année à collectionner les points bonus et les coupons de réduction comme une pauvre? Pourquoi dans les magasins, elle détourne les yeux des trucs qui lui font vraiment envie? Qu'est-ce que tu vas faire plus tard ?